m'appelle Laetitia et je suis étudiante de l'Université d'État de Cosseguin à la faculté design de vêtements. Ici, il y a beaucoup de gens magnifiques et très inspirants. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler d'inspiration. En fait, il y a beaucoup de villes dans le monde où l'inspiration est toujours autour de nous et Moscou est parmi cette ville. En général, on peut trouver l'inspiration dans les choses les plus simples que nous voyons chaque jour. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer les lieux où l'imagination bouge et alors cette atmosphère aide à concentrer l'inspiration. Faites-moi confiance, ils sont exceptionnels. On commence notre promenade dans mon lieu préféré et ce sont les portes cochères de Kitaigoro. Et c'est ici. Peut-être c'est à l'air étrange, mais c'est un des lieux les plus atmosphériques de Moscou parce qu'il enveloppe des secrets, des histoires et plein de l'art. Si vous êtes ici pour la première fois, vous pouvez vous perdre, mais si vous avez un peu de temps pour faire une petite promenade, on peut trouver beaucoup de coins tranquilles. Ici, on trouve des idées les plus fous et élégants parce qu'ici, il y a un sentiment d'autre monde. On continue notre promenade vers un endroit appelé Usine d'art Flacon. J'ai été ici pour la première fois il y a 7 ou 8 ans, mais je suis tombée amoureuse de cet endroit parce qu'ici chaque vêtement, chaque porte, chaque mur sont des objets d'art. Séparés et autonomes. C'est un vrai paradis pour les artistes. Et pour les gens qui aiment les jours clairs et souvenir sans la foule de gens. Et je veux aussi vous montrer un endroit qui détend la tête et l'âme. On dit qu'on peut regarder les courants d'eau infiniment parce que ça donne un repos à la tête. C'est comme la méditation, quand notre cerveau se concentre sur l'eau et les autres idées disparaissent, c'est bien relaxant. Donc, un des lieux pour la méditation est par Gorki, ou son quai plutôt, c'est ici. Ici, on peut s'asseoir confortablement au bord de l'eau. Avec un petit grignotine peut-être comme qui bat les autres. Si vous êtes fatigué de la vie quotidienne et vous avez besoin de repos, n'hésitez pas